Arrête avec tes patates, tu me saoules. Arrête avec tes patates. Je jure que tu vas prendre une patate sérieuse. Les amis, on va passer à un deuxième jeu ce soir. Un jeu qu'on n'a jamais fait, les gars, ensemble. Et je sens qu'il va y avoir de l'énorme embrouille. Vous connaissez Overcooked? Ah oui. On va se gueuler dessus. Il va y avoir zéro coordination. Ouais, mais on peut peut-être essayer de prouver aux gens que la Logbizy, c'est de l'entente, de la communication et de la réussite. Ouais. Peut-être. Donc on va faire un petit Overcooked de vous et moi. Et bien sûr, un viewer. On va accueillir Shilandalis en premier. Vous savez, c'est lui qui a offert beaucoup, beaucoup de subs. Il est là pour jouer avec nous ce soir. Est-ce que c'est un message subliminal que tu fais passer, genre offrez les subs et vous avez plus de chance de... Non, justement, j'avais désamorcé. L'argent et l'escroquerie. Non, c'est juste que c'est pas moi qui ai fait le casting, etc. Je découvre avec vous qui va jouer avec nous. C'est pour ça que j'étais étonné de... J'ai reconnu ce pseudo. Hello Shilandalis. Yo. Comment salut, ça va Shilandalis. Impec et vous? Bah impec. T'as joué un peu à Overcooked ou pas? Ouais, pas mal en famille. Ah, tu t'es embrouillé ou pas? Oui, totalement. Bah ouais, c'est vraiment sans embrouille, ça va être terrible. Qui veut être chef? Bah Locklear, non. C'était pas lui avec son générique et tout. Locklear. Les recettes de Locklear. Ok, ça roule. Donc je suis chef custo, c'est ça? Squeezie, c'est pongiste. Squeezie, pongiste. Moi je veux bien être à la coupe. Ah, vas-y. Je peux être à la coupe. Capitaine, ça peut être marrant pour une fois. Bah Squeezie, à la vaisselle. À la vaisselle. Oh putain. Attends, qui est quel perso, les gars? Moi, je suis en bas à gauche. La grand-mère. Locklear et Panda. La grand-mère, c'est Shilandalis. Et toi, que t'es le vert. Mais pourquoi vous coupez pas là? Bah, j'attends. Vous m'avez dit, je suis pongiste, donc moi j'attends. Non, mais comment ça, t'es pongiste? Tu fais ce qu'on te dit là? Mais tu m'as dit, je suis pongiste, j'attends, mec. C'est donc, qui le bleu, rappelle, là, qui fait rire, je rappelle aux gens qui découvrent le jeu. Le but, du coup, c'est de faire ce qu'il y a en haut à gauche de l'écran là-haut. C'est de faire cette recette-là et de la mettre dans une assiette. Mais laisse-moi, je suis en train d'expliquer le jeu. Donc là, voyez, on doit faire une salade de tomates. Donne-moi une assiette. Y'a pas. Je peux expliquer les règles ou pas? Donc oui. Le but du jeu, c'est de faire la recette qui a marqué en haut à gauche, de la mettre dans une assiette et d'envoyer ça en salle. Tu bosses ça ou pas? Il bosse ou pas Squeezie là? Si dans la liste avec moi en haut, tu vas t'occuper de mettre les trucs dans les assiettes, d'accord? Moi je vais m'occuper de couper. Ah ça y est, comment ça y est, ça me plaît. Passez-moi les trucs à droite pour couper. Okay. Les assiettes seront toujours ici là. Les assiettes seront toujours là. Ça se structure en cuisine. Allez là les gars, assiette de prête. Ok, tenez, vous avez une assiette. Allez, que de la salade. Allez, on enchaîne les salades. Allez, la salade normale. Ok, la salade normale, c'est envoyé. Une dernière, vas-y, une dernière complète, vas-y. Je t'envoie de la salade. Tiens, je t'envoie. Trop tard, c'est bien. Bravo les gars, c'était bien, on a bien géré les gars. Bravo. Y'a aucun travail d'équipe. Arrête, t'es dur avec nous. Oh, voilà. On fait des sushis. Toi, tu t'occupes du riz, tu fais cuire le riz, d'accord? Ok. Moi, je vais couper encore. Tiens, je t'envoie du riz. Tu fais des assiettes, moi, c'est ça? Mais pourquoi? Attends, pourquoi je peux pas poser le riz là-dedans, là? Ah, mais parce qu'il est pas cuit. Mais qu'est-ce que tu fais? Il prend mes casseroles. Ça va chauffer, ça va brûler. Vas-y, moi, j'envoie les assiettes. Dès qu'elles sont prêtes, j'envoie les assiettes. Envoyez l'assiette, voilà. Squeezie, tu fais toujours les assiettes, ok? Mais pourquoi je peux pas mettre de poisson dans l'assiette? J'ai pas compris. Tu vois pas le poisson par terre là que je mets là? Ramasse le poisson par terre. Il y a du riz. Il est où le riz? Tout ça, c'est que du riz. Là, c'est que du riz. Où est le riz cuit? Là, ici, tu mets dedans. Mais j'ai essayé à multiple reprises. Regarde la part terre, boum, il est dedans. La part terre. Eh, mieux, je t'envoie du riz dans la gueule, toi. Voilà, riz dans ton Ouais, d'accord. T'es où, toi? Attends, tu vas presser. Hein. Mais qui a mis des poissons sur le feu? Mais regarde, j'ai l'assiette avec le riz et les feuilles. Et quand je veux mettre le poisson, ça marche pas. Ah, c'est bon, ça marche. Riz prêt. Il y a trop de poissons là. Oui, ça. Eh, gros, tu m'envoies une prochaine fois du riz? T'es mort. Non, mais. Les gars, moi je peux pas travailler dans ces conditions. Il y a du riz, arrêtez les gars. Où sont les assiettes? Il y a du riz. Les assiettes elles sont top. Mais personne en fait gère les assiettes. C'est pour ça qu'on est naze. Mais j'arrive pas. Je vous ai dit 20 fois comment on fait. Personne. Je peux pas assembler dans mes putains d'assiettes du riz et des feuilles. T'es où? T'es quel personnage? Je suis là, je suis bleu. Regarde, là j'ai une assiette. Le riz il est là, j'appuie, ça marche pas. Mais le riz est là. Ici, tu prends le riz, tu mets dans ton assiette comme ça. Regarde, pas qu'à de riz. Mais là tu mets une casserole dans une assiette, ça fait pas des maquis. Mais putain, vous avez mis du riz sur mon feu, mais y'a pas de casserole. J'ai plus à... Mais vous faites quoi? Y'a trop de riz. Arrête là. Arrête. Vous voulez du riz? Cuit du riz. Cuit du riz. Cuit du riz. Putain de merde. Il est pas cuit ce riz là. Faites cuire du riz, bordel. Mais tant qu'il est pas cuit, j'ai plus de plaques de cuisson disponibles.
Pourtant, balancer trop de risques. Et 3 étoiles, putain, on est bien. Oh, ce jeu, il est dur. Wow, il est tellement dur. Allez, là, je veux de la rigueur, je veux des instructions du chef qui apparemment donne zéro instruction quand on lui demande. Alors, des infos. Squeezie, tu nettoies les assiettes. Squeezie, ton objectif, c'est les assiettes. Tu fais les assiettes, ok, avec les aliments qu'on te donne. Donc, tu remplis les commandes et puis, ensuite, tu fais la ponge. Mais non, mais il y a encore du riz, j'en ai marre, moi, du riz. Mais, tiens, j'envoie le riz. Voilà. Fais les poils, j'envoie le riz. Coupe des aliments, s'il te plaît, aussi, Chilandalice. Bah, c'est de votre côté, en fait. C'est à toi de nous envoyer. C'est bon, Nivori. Attends, et les assiettes, Squeezie. Mais mets des actes, putain. Vas-y, tiens, les assiettes. Je te dis, gère les assiettes, Squeezie. En gros, si vous mettez les assiettes là, je peux directement vous mettre le riz dans l'assiette à chaque fois. Tiens, allez là, je la mets là, voilà. Mais il y a du riz dedans. Non, là, il y a pas besoin de ça. Il y avait pas de riz dedans, tu me parles mieux, putain. Arrête d'envoyer du riz. Je t'en supplie, arrête d'envoyer du riz. Il est bien le riz là-bas, tu laisses le riz là-bas. Pourquoi y'a du riz dans ma putain de plongerie? Vous êtes chiant! Stop avec le riz, putain! Tu arrêtes de me le renvoyer et tu gardes ton riz! Les gars, je mets les assiettes au milieu, je peux pas faire mieux. Chilandaliste t'occupe de faire les assiettes, j'occupe de les faire. Ouais, allez. C'est bon, je fais les assiettes. Il nous faut de la ponge là! Mais je suis en train, putain, tu vas me respecter maintenant! Allez, travaille! Faut des assiettes! On a pas d'assiettes, fais la ponge! Mais je suis en train! Mais y'en avait pas! Non, mais là, les gars, arrêtez quoi, on se crie tout pour rien, c'est. Mets pas du riz dans mon évier, toi! Putain! Log, arrête d'envoyer du riz, t'es chiant! Non, mais j'envoie du riz! Non, mais t'es pas du. Ah, parce qu'il y a des commandes sans riz? Oui, en fait, faut faire un certain ordre pour avoir. Une assiette avec une crevette, si tu envoies! Une assiette avec une crevette! Vas-y, moi je suis en train de nettoyer! Moi, les gars, je respecte mon rôle de pongiste, alors respectez-moi aussi un peu avec. Envoie-moi du concombre, Squeezie! Je suis en train de laver les assiettes, alors respectez-moi! Il faut une assiette, s'il vous plaît! Les assiettes! Mais chiant! Mais je fais que t'es lavé! Regarde! Dégage! Tu me laisses! Tu comme ça, d'accord? Tu me laisses! T'es mort! C'est mort! Casse-toi! Putain! Les gars, 30 secondes, s'il vous plaît, on fait un max d'assiettes maintenant. Allez, les gars. Là, y'a plein les assiettes, Chilandaliste, t'as zéro excuse. Allez, là, travaillez, bordel! Allez, t'as semble toucher, Chilandaliste, tu te dépêches maintenant. Dépêche, Chilandaliste. Oui, chef. Y'a pas d'assiettes en fait, y'a genre jamais d'assiettes. Mais fermez-la, je fais que ça! Allez, les gars, 5 secondes. Ouais, vas-y, tu la remplis vite, Allez, go! C'est pas grave, les gars. Putain, sale nous, Squeezie. Bah, les gars, je trouve vous dramatisez vachement. Non, on fait que d'avoir 3 étoiles. Arrêtez de dramatiser. On est tous d'accord que Squeezie voit. Il y avait tout le temps de riz prêt. Je comprends pas quel est le problème. Je nettoyais les assiettes, mais quand il y avait pas d'assiettes à nettoyer, je faisais autre chose. C'est pour ça que vous avez l'impression que je faisais rien, alors que pas du tout. Alors, est-ce que tu sais que les assiettes, tu peux les envoyer? Est-ce que Nina, les assiettes, tu peux les envoyer? Sans blague. Là vous devez nous balancer envoie des pommes de terre là. Pas trop. Si, envoie tout. Après vous pouvez les mettre aux planches de bois là sur le côté. Mais non, mais tu peux les laisser par terre, ça dérange personne. Faut du poulet aussi les gars, j'ai envoyé du poulet. Mais ramasse les frites. Putain de trucs, les frites là. Ah merde, j'ai pas vu. Renvoie du poulet. Là il y a une commande poulet, juste du poulet. Du poulet. Arrête avec mon poulet, mais tu es exécrable. Un poulet faut. Frites, on est en stand-by là les gars, on sert à rien. Juste un poulet. Cuit du poulet doit. Allô. Cuire du poulet les gars. Je sais pas ce que vous faites. Envoie du poulet. Ou je te bute. Mais je t'ai envoyé du poulet, alors maintenant tu me le cuis et t'arrêtes quoi. Je le cuis pas, c'est à toi de le cuire. Bah tu le coupes. Excuse-moi de me tromper de mot, ça arrive. Tiens, prends ton poulet. Cuis du poulet. Mais que ça, moi je m'occupe plus. Et les gars, stockez des patates de votre côté un peu. Arrête de renvoyer des frites. Mais on s'y retrouve plus. Y'a que des frites partout, je marche sur des frites. Bon. Est-ce que vous pouvez me rassurer que ce coup-ci vous envoie beaucoup de poulet ou pas? Non, y'a zéro poulet. Il envoie que des pommes de terre. Je jure, tu vas prendre une patate. Il peut pas envoyer des pommes de terre, c'est moi qui envoie les pommes de terre. C'est-à-dire que moi je vous envoie des trucs. Et lui il envoie rien. Ah non. Arrête, tu envoies des poulets maintenant. Je fais que d'envoyer du poulet maintenant. Je fais que d'envoyer du poulet. Donne cette assiette, elle y va seule. On a toujours pas de poulet en haut. Arrête de me saouler, putain, on a compris, mais t'es chiant. T'as un seul job, mon pote, c'est de me passer du poulet. Je cherche à récupérer ma grille pour mettre des poulets à cuire. T'as perdu ta grille alors que t'as que ça à gérer. Arrête avec tes patates, tu me saoules. Arrête avec tes patates. C'est normal, moi je lui envoie des trucs. Mais viens, renvoie sur moi, bordel. Si tu lui envoyais du poulet, il t'enverrait du poulet. C'est bon, je fais que du poulet. Moi, tu m'envoies des pommes de terre. Pourquoi t'envoies les patates à Douac? T'envoies les patates à Douac, s'il te plaît. Y'a aucun poulet qui cuit. Il est en train de cuire, ferme-la, putain. Y'a un mec qui cuit les frites et un mec qui cuit le poulet. Je vois pas ce qui est compliqué, t'es bordel. Non, mais c'est vraiment infernal de s'embrouiller pour ça. C'est incroyable. Incroyable de s'embrouiller pour ça, quoi. On a pas de poulet, on est en stand-by, on a rien. Mais j'ai assez de poulet, c'est pour ça que je t'en envoie pas. Arrête de me saouler, putain. On envoie du poulet, on envoie du
poulet, envoie du poulet. Putain, il fait tilter. Allez, j'envoie une complète. Ah, non, mais tu m'as volé mon assiette, à mon assiette. C'est moi qui la rends, t'es mauvais mon pote. On a rien, nous, on se touche, on se touche. Mais on a déjà ce qu'il faut, t'arrêtes de me faire chier. Envoie du poulet ou je te bute. Il est insupportable, je n'en peux plus. Je ne veux plus le voir. Peut-être pas me taire, amuse-toi avec. Tout ça pour avoir 26 étoiles, les gars. Allez, les gars, on arrête d'être salés. La qualité des plats est considérable. La rentabilité est considérable. Le restaurant est plein tous les soirs. Et en plus, nous avons la meilleure note à chaque soirée que nous passons ensemble. Il y a tout pour être heureux, les amis. Alors, c'est s'il vrai, vous plaît, c'est vrai. Soyons heureux, éliminons le sel et soyons cool. Envoie du poulet, ça nous...